Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous allons le cours d'immunologie, réaction d'agglutination. C'est un cours vraiment facile, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Alors, bien. Bon, ça, c'est un rappel. On a l'anticorps TNF et le paratope. On a l'ipsipitope. Le paratope, c'est l'anticorps, bien sûr. Il va se lier spécifiquement à un antigène. C'est le lipitope. Il va se lier le lipitope à l'antigène TNF. C'est une liaison spécifique, réversible, complémentaire. Voilà, elle dépend aussi. De la structure de l'épitope et du paratope. On a des liaisons, on a des liaisons hydrogène, ionique, hydrophobe. Il faut savoir que les interactions de Van der Waals, c'est les plus faibles. D'accord, on a les techniques d'immunologie, on a direct et indirect. Bon, on a déjà parlé des immunoprécipitations, on a l'antigène inconsoluble, alors que donc, on a les immunoagglutinations, l'agglutination, les antigènes TNA iconocellulaires, c'est des antigènes figurés. Alors, on a comme introduction le phénomène d'agglutination agrégat. Bon, c'est-à-dire, ce phénomène général s'applique à tout système des antigènes biologiques, à les cellules, bactéries. Inerte, inerte, ça veut dire que mais je trouve la réaction qui m'a le latex. Généralement, le latex, lorsqu'on fait des antigènes solubles, tout y a un antigène cellulaire, une réaction d'agglutination. Aussi, elle est lue à l'œil nu. À faible grossissement, sur une lame, on peut à l'œil nu, là, le microscope. Le principe, on des antigènes cellulaires. On dit des anticorps agglutinants, généralement c'est les IgM. Pourquoi les IgM? Parce que les IgM ils sont pentamériques alors que les IgG ils sont monomériques. Alors pour une agglutination, les plus agglutinants c'est les IgM parce qu'ils sont pentamériques. Voilà, les IgG ils sont particuliers. Ou là, ou des anticorps agglutinants, c'est surtout les IgM, comme je viens de le dire, parce qu'ils sont pentamériques. On a les techniques. Toutes les techniques d'agglutination sont qualitatives, sont principalement qualitatives. Ils ne vont pas quantifier. Mais la quantité, c'est plus est-ce que Kane ou la Makesh. On va répondre avec lui ou non. Tout simplement. Bon, on a trois types de réactions d'agglutination. On a l'IRM direct, actif. On a l'indirect, passif. Et puis, à la fin, Kamel. On a inhibition d'agglutination passive. Inhibition. Elle est passive aussi. D'accord? On a les réactions d'agglutination directe. C'est un antigène directement. Il est naturellement particulier. Qui ne veut pas être particulier. Il a les globules rouges. Il a exprimé de façon constitutive sur la cellule. On a les hématies, les bactéries. L'antigène TNA. Alors, sur une cellule, il est particulière cellulaire. D'accord. Les réactions d'agglutination directe. Le groupage sanguin, le test de Coombs direct. Voilà, les deux. Et ce sont des réactions d'agglutination directe, active. Qui dit direct, dit active. Parce que FLQCM, il a le rôle comme direct ou là active. D'accord, le groupage sanguin. Détermination du système sanguin ABO par technique d'hémo-agglutination active. On prend le sang tel le patient. Là, on veut savoir, il a c'est le groupage sanguin. Est-ce que c'est A ou la O, la AB ou la B? Et on rajoute, le sang tel le patient. Et puis on rajoute des anticorps, un sérum qui contient des anticorps, soit des anticorps anti-A, anti-B ou la anti-A et B. Qui anti-A, anti-B, anti-B, anti-A ou la anti-AB. Si la solution reste homogène, pas d'agglutination. Là, non, pas d'agglutination. Alors que là, il y a des réactions d'agglutination. Là, on a anti-B. C'est le groupe sanguin, mais B, c'est sûr. Qui fait, c'est A. Cette agglutination, c'est un groupe sanguin A. Il y en a A ou B, oui, cette agglutination, mais Al-Menhadi. Parce qu'il y a un A ou le B, ce matin, A, ils se sont liés. Il y en a O ou O, mais fait ou elle, la surface de ma rade homogène. Là, il faut oublier, c'est un groupe sanguin O. Le B, il y a un anti-B, cette agglutination. Il y a un A ou le B, cette agglutination, mais moins que tu as un B. Puis, il y a un AB, bien sûr, il y a un B, anti-A, anti-B ou anti-AB. Voilà, pour le principe, tu as le groupage sanguin, c'est facile. Alors, on a le test de Coombs direct, donc, utilisé pour le diagnostic de l'anémie hémolytique auto-immune. D'accord, c'est quoi? Ben, les globules rouges éclatent dû à la présence d'un anticorps anti-globule rouge. Les globules rouges, il y a des anticorps qui vont se lier l'anticorps TNA.
ومن بعد يبون اكلاتي تسمى تولي عندنا اون انيمي كينقصوا لي غلوبولون باش تعطينا اون انيمي اي لي اوتو ايمي باسكو سي لو كور تاعنا كي فا لي اتاكي داكور exemple test de test de compatibilité rhésus entre mère et enfant, la maladie hémolytique du nouveau-né est causée pendant la grossesse. Bon, l'hypersensibilité de type 2, c'est juste qu'il y a le nouveau-né a un rhésus positif alors que la mère elle a un rhésus négatif. La première grossesse, il y a quelques globules rouges la mère, qui fait, ça va engendrer une réaction immunitaire où elle va produire des anticorps anti-rhésus positifs, qui fait la deuxième, on va dire qu'il y a des LB mémoire et tout, qui fait la deuxième grossesse tana, où il y a le bébé rhésus positif. Ah, donc les anticorps, ce sont des IgA qui fait, ils peuvent passer le placenta le bébé, ils vont attaquer les globules rouges. Tout le monde a une anémie hémolytique. Voilà, le test de Coombs direct, on va l'utiliser pour la compatibilité rhésus entre mère et enfant. On prend le sang à le patient, le sang à le patient, on va dire que c'est le sang à la mère, on l'a pris. Bon. Plutôt, on va dire, le nouveau-né, on a pris les globules rouges. Où on va voir, est-ce que qu'il y a des anticorps ou là. On va prélever le sang, le patient, on va ajouter, est-ce qu'il y a des anticorps anti-érythrocytes ou là. On va rajouter le réactif de Coombs. Le réactif de Coombs, ce sont des anticorps anti-fragments d'FC, les IgG, qui sont liés les globules rouges, fait idakain hadouma les anticorps anti-érythrocytes le réactif de Coombs il va se lier ça la agglutination idamakesh mais كلش اصلا هادو les anticorps anti-érythrocytes qui fait mach hatana agglutination makesh wini le réactif de Coombs voilà هذا هو le principe تاع le test de Coombs on prend le sang le تاع le patient تاعنا. Il a qu'un malade, il confère les anticorps liés les globules rouges d'anax, mais qu'ils aident le réactif de Coombs, l'ihoma, c'est des anticorps anti-fragments FC halique, tels IgG. L'ihoma, l'anticorps, ou t'en a agglutination. Il a cache déjà les anticorps anti-érythrocytaires, mais t'en a agglutination qui fait le patient à n'est pas atteint. Voilà, Hadia, c'était pour les réactions d'agglutination directe, dites actives. Donc, le groupage sanguin, le test de Coombs direct. Donc, on va passer les réactions d'agglutination indirecte passive. L'antigène, il est soluble à l'état normal, alors que l'antigène, il est directement, naturellement particulier, exprimé de façon constitutive sur la cellule. Alors que non, il est à l'état normal, il est soluble. On va le fixer sur une particule, parce qu'il y a un antigène particulier. Voilà, avec les particules de latex, ils sont inertes. C'est bon, je vais dire que la réaction interne, ils ne vont pas modifier. Avec les antigènes solubles, on va les fixer sur une particule. Ou, on va dire que les anticorps agglutinants, c'est une réaction d'agglutination. Là, soit on utilise les particules de latex ou les hématies. D'accord? On a un exemple d'application. C'est le test de Waller-Rose, ou le test de latex. Ou là, le test de Coombs indirect. D'accord. On a le test de Waller-Rose ou le test de latex, c'est le même principe. Sauf ils ne vont pas utiliser la même particule. Ils vont lier focal l'antigène. Ils ont utilisé les globules rouges. Là, ils ont utilisé le latex. Il suffit de comprendre. Bon, le principe, c'est le même. D'accord. Là, on a utilisé pour dépister le facteur rhumatoïde. Il faut savoir chaque test où je vais pour dépister quoi. Test de Coombs, on le sait pour dépister l'anémie hémolytique auto-immune, alors que pour le test de Waller-Rose, c'est pour dépister le facteur rhumatoïde. C'est quoi le facteur rhumatoïde? Ce sont des IgM anti-fragments FC-IgG. Afin de diagnostiquer la polyarthrite rhumatoïde. D'accord, on a pris le sérum de la maladie, ce sont des IgM, où on a pris. On a pris les globules rouges d'un mouton, ou le sarnaforum des IgG d'un lapin. On va mettre le sérum d'un malade. Le sérum d'un malade, ce sont le facteur rhumatoïde. C'est quoi? Ce sont des IgM anti le fragment FC d'un IgG.
تما لي زيجيجي تاعنا شغل هما لي سون كونسيديري لانتيجان لهنايا. تما واش نو فاكتور الماتيو تما لي زي جي ام تاوعنا تاع لو سيروم تاعنا نروحو يلصقو على دي زي جي ام دي باردون سور دي زي جي جي. تما اي جي ام حتى تلصق على الفراغمون اف سي تاع لي زي جي جي وصلنا اغلوتيناسيون. تما حنايا لهنايا هادو ما يسون سانتيتيزي في لابو الوغ كو هذا سي لو سيروم تاع لو باسون تاعنا. اذا الي اتان دون بولي ارتيت روماتويد حتى صرنا اغلوتيناسيون باسكو يكون عندنا دي زي جي ام انتي فراغمون اف سي تاع لي زي جي سينون لا. Voilà, on parle que l'HNAIA il peut être semi-quantitatif si une titration est effectuée. D'accord, le test de latex est le même principe. Comme le latex d'ANA, on le sert à faire des IgG. Je ne sais pas pourquoi ils ont dessiné des IgM, parce que là, c'est pas d'Amérique, normalement c'est des IgG qui mettent l'HNAIA. On va dire le sérum est le patient interne. Soit elle est positive, c'est l'agglutination. Négative, maintenant, message agglutination, maintenant, ils ne se sont pas liés, maintenant, le patient interne, il n'est pas atteint. Allez, pour diagnostiquer la polyarthrite rhumatoïde par la présence du facteur rhumatoïde auto-anticorps IgM, c'est des IgM anti-fragments FCTL IgG interne, on fixe un IgE sur une bille de latex. Normalement, c'est des IgE, des IgG, tellement qu'on a coûté le fédé. Sur des particules de polyester sensibilisées par des IgG humains. Voilà. Ida, quand on ajoute le sérum, c'est l'agglutination. Le patient, il contient le facteur rhumatoïde ou l'hémat des IgM anti-fragments FCTL IgG. Sinon, il n'est pas atteint. Il est atteint, c'est dite réaction positive, dite menta agglutination. Ida, il n'est pas atteint, c'est une réaction négative, menta reste homogène. Voilà. La seule différence entre le test de Wallerose, c'est que le test de Wallerose va utiliser des globules rouges, des hématies, alors que le test de latex il va utiliser des particules de latex. À la simple, le test de latex, latex, bille de latex, le test de latex. Wallerose, on va utiliser les globules rouges. D'accord, donc on va faire le test de Coombs indirect. Là, c'est pour le diagnostic des anémies hémolytiques auto-immunes. Kif kif, c'est le même principe, sauf que l'hnaïa, c'est un test indirect. Ou chandir. Hanhakmo le sérum, t'as le patient, t'as na. Ou des globules rouges, m'nand une autre personne, et normalement, elle est saine, ma biha walo. On dit de là, avec le sérum. Ida, le patient, hadawa le patient, l'hnaïa, on veut dépister. Est-ce qu'il y a le facteur. Il y a des anticorps anti-érythrocytes. Généralement, il y a des lois de la maman pour savoir est-ce qu'elle a fabriqué des anticorps anti-rhésus. On prélève le sérum de la maman contenant des Ig anti-rhésus positifs et on rajoute les globules rouges dans le nouveau-né. Il y a des Ig rhésus positifs. On veut savoir est-ce que la maman, le sérum Taha, elle a fabriqué des IgG anti-rhésus positifs ou là. Le sérum Taha, la maman, soit Indha, soit Indha, je fais le cas là, on rajoute les globules rouges, Taha, le nouveau-né Taha, le sérum Hadak. On s'en a au chmia. Idakayen, les IgG anti-rhésus positifs, ils vont se lier à les globules rouges. On bête, zidou le réactif de Coombs, le nom des anticorps antifragments FC talis IgG hado. Outrana une agglutination. L'anaïa c'est pour savoir est-ce que la maman a des IgG anti-rhésus positifs. Alors que fait direct, on veut savoir, on arrête. On veut savoir est-ce que le bébé il est atteint ou pas. D'accord, voilà. Alors pour tout ce qui est réaction d'agglutination passive, on a le test de Wallerose, on a le test de latex et enfin le test de Coombs indirect. Ce sont des réactions d'agglutination passive, dites indirect ou direct, dites active. Donc en dernier lieu, on a l'inhibition d'agglutination passive. Là, c'est pour les tests de diagnostic de la grossesse, soit Ida la femme elle est enceinte ou pas. Il faut savoir que quand la femme elle est enceinte, elle aura des particules BHCG présentes le sérum taha ou les urines. Alors, Ida elle est enceinte, elle aura le BHCG. Ou Ida elle n'est pas enceinte, elle n'aura pas.
Alors, حنا واش انا رايحين نديرو في اللابوراتوار؟ اون فا فابريكي لي حنلصقو هاد لي بي اتش سي جي سور دي بارتيكول دو لاتكس دون بار، دوتر بار لهنايا سي تاع لا باسيونت، تما هادو في اللابو هادي تاع لا باسيونت. بي اون با راجوتي لي زونتيكور اغلوتينون لي بيان سور انتي بي اتش سي اس بي اتش سي جي، سو سون دي جي جي ام. On bête. Ida, la maman, bon, chez la maman, la femme, elle est enceinte. La réaction dite positive, pas d'agglutination. Pourquoi? Parce que les IgM, ils ont plus d'affinité pour les antigènes solubles. Les domaines sont solubles, là, ils sont particuliers. Ça n'a pas d'agglutination. Là, l'agglutination, c'est là que quand l'antigène, il est soluble. Voilà. Mais Ida, elle n'est pas. Elle est bien pour l'inhibition. Elle va inhiber l'agglutination. Les particules BHCG, ils vont inhiber l'agglutination, ils vont se lier à les paratopes, les IgM, ou mais ils vont inhiber les particules de lactex pour se lier, pour faire une pour inhiber l'agglutination. Quand il n'y a pas d'agglutination, ça veut dire que les urines de la patiente, qu'il y a le BHCG qui se sont liés aux IgM. Et ils ont inhibé l'agglutination, qui fait c'est une réaction positive. Ça veut dire que la femme elle est enceinte. Là d'ailleurs elle a le témoin négatif, ça veut dire qu'elle n'est pas enceinte. Ça m'a fait urine taha, mais elle a le BHCG, qui veut dire qu'elle a les particules de latex, elle a un BHCG, on dit des anticorps agglutinants. Elle a l'agglutination qui fait elle n'est pas enceinte, c'est une réaction négative. Là d'ailleurs elle a le choublax. كنا نقولوا من قبل بوزيتيف ما تصرى اغلوتيناسيون، نيجاتيف ما تصراش اغلوتيناسيون. لهنا العكس باسكو سي انيبيسيون، في لو كا نقولوا رياكسيون بوزيتيف ما تصراش اغلوتيناسيون، الوغ كو وين تصرى اغلوتيناسيون نقولوا سي رياكسيون نيجاتيف، لا فام ال دي با اونسان. فوالا سي تو بور هاد لو كور. اذا فوز افي دي كيستيون بوزي لي ان كومونتير. و السلام عليكم، وصلى على النبي، سلموا رحمه الجماعه، السلام عليكم.